Voici les jeunes filles danseuses de musique traditionnelle venues spécialement du Togo, nées aux États-Unis d'Amérique. Je vous demande de les applaudir très très fort pour les mariés. Musique.
Yeah.
Mama, 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 mama
Ah, docteur Son, As a man, 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 as a
Mandaluta, we belong to the world. Mother, my guys have been on the world.
Manda Luda, we belly on my hand. Manda Luda, we belly on my hand.
la bande de l'Indalalé, 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 la bande Monsieur Dadja a demandé. Monsieur Dadja a demandé à la sono. Monsieur Medad Dadja a demandé à la sono. Oh,
Par des milliers et des milliers de personnes. Encore une fois, heureux ménage Chimène, heureux ménage Mustapha. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le mariage? Merci. Alors, je disais tout à l'heure qu'un mariage réussi, c'est un mariage qui a bien sûr bénéficié des bons conseils, de bons sages. Et les sages, c'est les gens qui ont de l'expérience dans le mariage. C'est les personnes qui ont vécu des histoires d'amour dans leur couple et qui peuvent prodiguer des conseils à ces nouveaux tourtereaux qui sont élégamment habillés. Ils s'aiment tellement qu'ils se ressemblent, on dirait des chevaux, n'est-ce pas? Il faut les applaudir. Alors, ce soir, c'est le prince Mustapha et sa princesse Chimène. Je vais inviter devant vous le premier à venir vous prodiguer ses conseils. Mesdames et messieurs, monsieur Naki, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît très très fort. Monsieur Naki. Ah, l'émotion est tellement grande, papa, quand la joie est immense, quand le cœur déborde de joie,
la tête n'a plus de temps à penser. Croyez-moi, je suis très ému. C'est une chance pour moi d'être avec vous ce soir, parce que je suis en train de présenter l'un des meilleurs mariages que j'ai jamais animé depuis plus de 15 ans de service. Ce couple est spécial de par leur histoire d'amour et de par leurs origines. Moi, j'adore le Togo. Je vous dirai peut-être un peu pourquoi. Vous savez, dans ma vie, j'ai un peu voyagé. Mais lors d'un de mes voyages qui m'a conduit à Lomé, où nous étions allés pour aider mes frères et sœurs qui devaient travailler à Radio Nostalgie Lomé, j'ai rencontré là-bas une personne qui aujourd'hui est une grande personnalité du Burkina Faso. Et c'est grâce au Togo que j'ai eu l'amitié de cette personnalité qui est très très importante au Burkina. Et depuis lors, j'adore le Togo. Ainsi donc, parole est donnée à notre chef. Humblement, je m'incline et je salue Sa Majesté le chef Kao, que je vous demande d'écouter après ovation. S'il vous plaît, on applaudit. Chef Kao. Mustapha, tu m'aimes. C'est un grand plaisir pour moi d'être honoré comme chef durant cette célébration. Vous ne savez pas quel jour m'a dit de pouvoir être la personne la plus considérée de cette soirée. Et pour continuer, mes conseils, c'est vous dire que vous avez de la chance. Je connais vos amitiés aux États-Unis. C'est des gens qui vivent un mariage heureux. Donc vous avez la chance de suivre cette femme. Micro. Allô? Voilà. Voilà. Merci. Je disais qu'ils ont de la chance parce que je connais leurs amitiés. Ils sont amis à des couples dont les mariages ont réussi et continuent de réussir. Donc ils pourront suivre ces exemples pour également réussir leurs. Et vous dire que vraiment, c'est aussi un parcours très, très difficile et ardu. Chaque jour que Dieu fait est une épreuve pour vous deux. Il y a toujours quelque chose qui fera que on aurait envie, ou vous aurez envie de mettre fin. Mais c'est des épreuves que vous pouvez traverser. Et vous allez nous dire que notre mariage fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire 50 ans. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais également donner cette parole à ceux qui veulent la prendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef Kao. Parce que nous sommes une famille unie aujourd'hui. Nous allons à présent écouter la voix du doyen. Je vous prie d'écouter les conseils de notre très cher bien-aimé doyen Didier. Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce qu'on peut écouter par derrière, s'il vous plaît? Bon, j'aimerais ici présent prodiguer quelques conseils à Chimène et mon papa, que je connais bien à travers ma femme. J'aimerais vous dire ceci, que
le mariage, c'est toute une école où le chemin est parsemé. Allô? Micro, s'il vous plaît. Merci. Je disais tantôt que le mariage est une école et un chemin parsemé d'embûches. Mais alors, il faut toujours s'armer de sagesse, de courage, pour pouvoir venir à bout de tous ces obstacles. Dans le couple, je crois que le plus important, c'est la communication. Un couple où il n'y a pas de communication, c'est souvent difficile de progresser. Madame ou monsieur, si vous avez une idée, un projet, il est toujours bon d'en parler à madame ou à monsieur. Au lieu de se lever et de faire ou chercher à l'imposer à l'autre, et souvent ça pose toujours problème. Et je le dis en connaissance de cause. Vous avez quelque chose à faire, à vouloir faire, il faut toujours se consulter. Il faut se parler, sincèrement. Et c'est très important. Et il y a souvent un problème d'ego dans les couples. Je ne vais pas ici. Par exemple, monsieur, il se dit que c'est lui l'homme, et vouloir à tout prix imposer ses idées à madame, là, il faut éviter cela. Mustapha, je m'adresse à toi. Il faut éviter cela. Vouloir imposer son idée à madame. Je crois qu'il faut chercher toujours à aplanir les ondes et se mettre sur le même terrain d'entente. Et Achimède aussi, j'aimerais dire qu'il ne faut pas chercher aussi à vouloir imposer vos idées à Mustapha, votre mari. C'est ce qui amène les classes dans le couple. Il faut s'en sortir. Le couple a réussi déjà. C'est le plus important. Et donc, il faut aussi savoir taire ses égaux. Hein? Il faut savoir taire ses égaux. Bon, je ne vais pas être très long, mais je crois que l'essentiel a été dit. C'est la communication. Le secret d'une union, d'un mariage, c'est la communication. Quand il n'y a pas de communication, ça ne peut pas aller. Ça, je vous le dis très sincèrement. Merci. Et je sais de quoi je parle. Papa merci. Didier. Merci beaucoup, papa Didier. Et nous allons à présent entendre papa Meda. Je m'excuse. Je veux demander à l'assistance de nous permettre de suivre ces conseils qui sont vraiment précieux pour les mariés. Et aussi, je voudrais, avec tout respect dû à mes amis, mes doyens que vous êtes, vous demander que le comité d'organisation me charge de vous dire que nous avons une minute d'intervention par conseiller. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je disais que je connais Chimène depuis l'enfance. Elle est comme ma petite sœur.
et vraiment je suis très heureux d'être là. Elle a trouvé une perle rare qui est Mustapha, quelqu'un qui est jovial. Nous on aime ça, quelqu'un qui peut nous faire ça. Et donc, tout ce que je peux dire comme conseil, il est vrai dans toutes les cultures. Et comme je l'avais dit, le mariage c'est une question de famille. Mais ce que je vais vous dire, par expérience, c'est que désormais, vous n'êtes que deux. Mustapha, c'est ton meilleur ami, c'est ton confident, point. Pas ta maman, pas ton papa, pas Mida. De la même façon pour toi, Chimène, c'est ta confident. Rien de plus. Les gens ont tendance parfois à aller demander conseil ailleurs parce qu'il y a un petit problème. Non, jamais. Vous allez voir que si je dis à X, est-ce que tu peux me conseiller, la personne va envenimer les choses. Donc, régler les choses entre vous. Jamais, 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 je le répète, n'allez demander à qui que ce soit, ah, j'ai un petit problème. Parce que la personne a plus de problèmes que vous. Parce qu'on a tendance à penser que quelqu'un a un meilleur mariage, que les personnes, oh, tu le vois, il marche, il roule, il sourit, c'est sûr que c'est mieux là-bas. Non. Eux aussi, parfois, c'est une bataille. C'est évalant tous les jours. Mais, comme lors des évalants, les gens luttent et juste après, ils se réconcilient. Et ils vont attaquer l'autre équipe, l'autre village. Donc vous deux, vous êtes comme dans la même maison, vous êtes les deux lutteurs d'évalants, vous allez lutter parfois, mais 99,99%, vous êtes sur la même longueur d'onde. Pourquoi? Parce que vous avez un futur commun. Vous pensez à comment construire pour l'avenir. Que ce soit pour votre enfant, que ce soit pour votre retraite, vivre ensemble, mourir ensemble. Personne d'autre n'aura votre, disons, votre bonheur en tête. Parce que même quand vous querellez, c'est que vous querellez, mais c'est, ce n'est pas sur votre avenir, mais sur comment arriver là-bas. C'est comme si tout à l'heure, vous allez décider, nous allons à New York, et vous avez dit, on va prendre vers un autre bridge. Quand tu dis non, on va prendre cette route parce que c'est plus rapide. Vous allez vous battre. Mais c'est sur la route. C'est sur quelle route prendre. Ce n'est pas sur New York. Donc l'objectif principal, c'est ça qui doit être votre père. Moi, ce que je dis, c'est que il faut toujours penser que vous êtes deux. Il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre, il n'y a pas sept. Merci, papa Meda. Merci, papa Meda. Merci. Alors, on va à présent écouter notre papa. Papa David. Selon le dimanche, un semaine, il a parlé une phrase qui m'a intéressé. Je cite Aristote. Aristote a dit, avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir pas d'amis. Ouais. Je me dis, tu as compris. Avoir beaucoup d'amis, c'est n'avoir pas d'amis. Ouais. Quand tu as une femme qui a d'amis, tu fais ça. Ne demande jamais à une camarade comme est ton mari, tu donnes. Pourquoi tu dis, lui donne un million. Mais si ta main là, tu as demandé qu'il fait, tu dois avoir. Ok. Tu ne fais pas trop. Hein? Comme on l'a dit. La première phrase dans le top. Chimène, Mustapha, gardez la phrase d'action que vous êtes fait. Ok. Merci papa, je vois qu'on peut applaudir d'un effort. Et juste après le conseil de papa, on va écouter maman. Non, c'est bon, passez à maman.
La maman est là. Elle parle maintenant. Ah oui, elle va donner la parole. Les parents. Maman va fermer. Ok. Maman, pardon. Papa Ndoki. Non, c'est la famille. Merci beaucoup pour ce qui s'est passé. Moustapha Simen, et moi pour moi, que, avant que la parole m'arrive, vous avez fait un grand parmi vous. Je suis très 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 ravi. Vous savez, le mariage, mon frère, je n'ai son nom là déjà dit. Le mariage, c'est un parcours très 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 difficile. Très difficile. Avant, vous étiez accompagné par Satan. Avant là. C'est maintenant même le mariage. Maintenant, c'est Dieu qui vous accompagne. Amen. Dieu vous regarde. Vos actions, tout Dieu vous regarde. Mettez-vous en tête qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous faites, Dieu est témoin. Il vous regarde et il vous marque. Quand tu as fait ceci, quand tu as fait cela, tu ne veux pas ceci, tu ne veux pas faire ceci à celui-ci, toi tu ne veux pas faire ceci à celle-là. C'est comme ça. Le mariage, avant, c'était bon parce que vous vous volez. Maintenant, vous êtes devenu chez vous là, on dit halal. Halal. Maintenant, c'est légal. Vous êtes devenu légal. Le mariage, c'est comme ça. Les débuts, c'est très dur, très passionnant. Mais avec le temps, que l'on dit, viens, on va s'asseoir, viens, on va se quereller. C'est comme ça. C'est le mariage. Viens, on s'asseoir ensemble, viens, on s'asseoir pour se quereller. C'est le mariage. Essayez de perdre le temps. Tout ce que vous allez faire, tournez-vous à Dieu. Dieu témoigne de ce que nous avons fait. Devant toute cette assistance, nous vous regardons. Pensez à nous. Quand vous voulez parler, ou bien il y a un problème, pensez aux deux parents. Comme papa l'a dit, Moustapha, à partir d'aujourd'hui, à ton papa. Je vous donne un exemple. Quand je me suis marié au pays, je devais partir en Europe. Il vient de se marier et puis ça va en Europe, il laisse sa femme. Je dis oui. Là où je l'ai trouvé, c'est là-bas qu'elle va rester. Elle ne vient pas auprès de mes parents. Non. Je suis allé voir mon beau. Je lui dis, papa, je vous renomme ma femme. Gardez-la comme ce que vous l'aviez fait depuis qu'elle était avant de la voir. Gardez-la. Et le papa dit, oh, depuis quand toi tu as vu ça? Bon, je lui dis, peut-être que bon, moi je suis le premier. On va essayer voir. Parce que chez moi, elle a des copouses. Vous connaissez ces copouses? Vous ne connaissez pas? Si, si. Mes soeurs! Mes soeurs! Peut-être ma mère même. Quand je donne un peu. Oh, c'est fini. Certains seulement qui s'en foutent de nous. C'est comme ça. Hein. Dans nos milieux, nous sommes les mêmes. C'est le même langage.
Donc, Moussafa, c'est papa, c'est maman. Chimène, c'est papa, c'est maman là-bas. Douteux, il n'y a personne. S'il y a un problème, c'est un problème. Chaque soir, avant d'aller au lit, asseyez-vous au moins 5 minutes. Tout le monde a caméré ce truc-là. C'est comme ça que le couple reste. Après avoir parlé, c'est fini, maintenant. Vous voulez avoir d'enfants intelligents, éveillés? Quand vous êtes bien, quand vous vous bagarrez, n'allez pas au lit quand vous n'êtes pas en bon terme. C'est très dangereux. Nous ne savons pas, c'est comme ça. Avant d'aller au lit, ici là, il faut laver, que ça soit clair. Les enfants venus seront brillants. Amen. Arrivé à un moment, vous allez. Non, maintenant je ne veux plus voir ma femme. Surtout nous les hommes. Moi je suis là. Je ne veux plus voir ma femme. Je ne veux plus voir ta femme. C'est ta femme. Je ne veux plus la voir comme ma femme. C'est ta femme. C'est en ce temps que tu vas maintenant connaître à Dieu. Prendre la patience. Et avoir pitié de vos enfants. Si je m'en vais, maman seule ne peut pas élever mes enfants. Ou bien si c'est la femme qui s'en va, oh, papa seule ne peut pas élever vos enfants. Les enfants ont besoin de vous deux. Quand vous êtes content, les enfants sont contents à la maison. Quand vous êtes content, vous riez. Vous vous embrassez. Quand les enfants vous voient, ici, ça reste pour toujours. Et c'est comme ça. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Parce qu'il y a les gens qui attendent. Vous êtes, je ne sais pas, vous êtes bénis par Dieu. Regardez comment les gens sont en joie. Regardez comment on danse depuis là. Et ça, c'était depuis hier. Malheureusement que moi, je n'ai pas pu faire part aux festivités d'hier. J'étais vraiment occupé. Merci beaucoup pour l'assistance. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, tonton. Merci. Et je connais bien ma soeur Chimène. Nous revenons souvent. Même chose, qu'est-ce qu'on dit en français, on dit les mêmes choses se retrouvent quoi. Donc déjà, quand j'ai dit Chimène, je décide que mon frère Moussafa aussi est une bonne personne. Et comme les aînés ont déjà dit, dans un mariage, votre conseiller, c'est un membre du mariage. Il n'a pas un imam qui va donner un bon conseil. Il n'a pas un prêtre qui sera un bon conseiller. Il n'a pas un prêtre qui sera votre bon conseiller. Le bon conseiller, c'est l'autre membre du mariage. Et quand on parle d'un conseiller, c'est qu'à un certain moment, il n'aura ce que les Anglais appellent des arguments. Parce que le conseiller peut vous dire des choses que vous n'allez pas croire, mais en réfléchissant ensemble, comme étant votre conseiller, vous finirez par arriver à une solution. Mais je voudrais, la petite expérience que j'ai, surtout mon frère Moussafa, et nous les hommes, il ne faut pas avoir un autre conseiller en dehors de ton mariage. Et je vais vous donner une petite expérience que j'ai. Moi, je travaille à l'hôpital. Que vous m'avez connaissez que dans les hôpitaux, la plupart des nurses et des docteurs, c'est des femmes. Et quand je suis arrivé, j'ai remarqué que
brutalness, qui sont des hommes, souvent ils ont des petits conflits avec les autres mères qui sont femmes. Et elles sont prédominantes. Parce que si peut-être 10 mères, vous allez voir seulement un homme ou bien deux hommes. Donc je suis arrivé, je me suis dit que est-ce que faut-il chercher, quand je pose un mat, est-ce que faut-il espérer à avoir l'autre mère qui est femme poser le même acte? Parce que si peut-être je suis en train de faire quelque chose et que je laisse, ou bien je finis, et qu'un autre elle vient et me finit, parfois tu m'énerves. Je me suis dit que après tout, une femme, c'est votre mère. Il faut considérer pleinement une femme comme telle. C'est votre mère. C'est quelqu'une, quel que soit, je ne sais pas, quelle que soit la vie que vous menez, ou bien quel que soit ce que vous faites, c'est quand vous serez dans le problème que vous serez que c'est celle dont j'ai besoin. Donc quand vous êtes dans un foyer, en tant qu'un homme et une femme, sachez que votre femme, quel que soit alpha, bêta, c'est celle qui ne va pas vous apporter. Donc, mon frère Moustapha, la sœur Chimène aujourd'hui, elle est votre prêtre, elle est votre imam, elle est votre mère, elle est tout pour vous. Et surtout que c'est un culte que je connais bien, c'est un culte de bon cœur, c'est un culte de bien, et je pense que c'est une grande chance pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Malik. Et je connais bien ma soeur Chimène, mais on dit souvent les mêmes choses, on dit en français, on dit les mêmes choses se retrouvent quoi. Donc déjà, quand j'ai vu Chimène, je me suis dit que mon frère, Moustapha aussi, est une bonne personne. Et comme les aînés ont déjà dit, dans un mariage, votre conseiller, c'est un membre de la vie. Il n'a pas un imam qui va donner un bon conseil. Il n'a pas un prêtre qui sera un bon conseiller. Il n'a pas un prêtre qui sera votre bon conseiller. Le bon conseiller, c'est l'autre membre du mariage. Et quand on parle d'un conseiller, c'est qu'à un certain moment, il n'y aura ce que les Anglais appellent des arguments. Parce que le conseiller peut vous dire des choses que vous n'allez pas croire, mais en réfléchissant ensemble, comme étant votre conseiller, vous finirez par arriver à une solution. Mais je voudrais, la petite expérience que j'ai, surtout mon frère Moustapha et nous les hommes, il ne faut pas avoir un autre conseiller en dehors de ton mariage. Et je vais vous donner une petite expérience que j'ai. Moi, je travaille à l'hôpital. Que vous ne les connaissez que dans les hôpitaux, la plupart des nurses sont des docteurs, c'est des femmes. Et quand je suis arrivé, j'ai remarqué que d'autres nurses qui sont des hommes, souvent ils ont des petits conflits avec les autres nurses qui sont femmes. Et elles sont prédominantes. Parce que si peut-être 10 nurses, vous allez voir seulement un homme ou bien deux hommes. Donc je suis arrivé, je me suis dit que est-ce que faut-il chercher, quand je pose un mat, est-ce que faut-il espérer à avoir l'autre nurse qui est femme poser le même acte? Parce que si peut-être je suis en train de faire quelque chose et que je laisse, ou bien je finis, et qu'un autre elle vient et me finit, parfois tu m'énerves. Je me suis dit que après tout, une femme, c'est votre mère. Il faut considérer pleinement une femme comme telle. C'est votre mère. C'est quelqu'une, quel que soit, je ne sais pas, quelle que soit la vie que vous menez, ou bien quel que soit ce que vous faites, c'est quand vous serez dans le problème que vous serez que c'est celle dont j'ai besoin.
Donc, quand vous êtes dans un foyer, en tant qu'un homme et une femme, sachez que votre femme, quel que soit alpha, bêta, c'est celle qui ne va pas vous apporter. Donc, mon frère Moustapha, la sœur Chimène, aujourd'hui, elle est votre prêtre, elle est votre imam, elle est votre mère, elle est tout pour vous. Et surtout que c'est un culte que je connais bien, c'est un culte de bon cœur, c'est un culte de bien, et je pense que c'est une grande chance pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Malik. Pour le mariage de Chimène. À ma grande fille, je suis arrivé. J'ai vu aussi les parents de Safa. Il y avait mes parents qui sont venus. Tout le mariage est à moi. Je vais être très loin au palais. Parce que j'ai vu que tout le monde a déjà parlé. Les conseils, quand c'est trop, on n'arrive plus à écrire. Vraiment, Chimène, vous avez vu que devant Dieu et devant les gens, ce matin, il y a eu d'abord le cola. Vous avez eu ce qu'on appelle, dans le cola, puisque Dieu papa n'a pas le droit de vous poser. C'est vous qui vous avez parlé. Quand le diplôme vous envoie, vous servir pour votre monde. À partir de aujourd'hui, Moustapha est votre mari. Toute la famille reconnaît que Moustapha est votre mari. Le papa, la maman, la famille, tout le monde sait que Moustapha est votre mari. Vous devez servir Moustapha ou un mari. Vous devez accepter les institutions du foyer. C'est devant Dieu et devant les hommes. Quand vous allez servir Moustapha, vous servez ce que Dieu même a voulu. Et c'est ça qui donne la bénédiction. Votre service dans le mariage ne veut pas dire que Moustapha a le droit de vous utiliser dans votre mariage. Moustapha aussi doit respecter ce que le mariage demande. Si Moustapha va à l'encontre du mariage, c'est un péché aussi. Nous demandons à Moustapha de prendre soin de sa femme et la femme va vous servir. Voilà. Toute la famille vous a accompagné à Moustapha. Moi, j'ai quitté au pays en tant que beau de Michelin. Je suis le beau de Michelin. Je fais partie de la famille de Michelin. Mais arrivé, j'ai vu que je fais partie de Dieu. Parce que quand on veut faire, j'ai vu que mes frères Thomas sont avec ma famille, ma belle famille. Vous savez que je suis parti de deux familles. Et je demande à Dieu de bénir votre mariage. Et je sais que Dieu a déjà béni votre mariage. Parce que quand il y a la fraîcheur, cette fraîcheur vient du feu, c'est la fraîcheur. Et ça donne la fraîcheur. Et Dieu va protéger votre mariage. Je vous demande de vous respecter. Quand vous respectez, quand vous respectez Dieu, le mariage est très difficile. Aujourd'hui, le papa de Chimène peut l'appeler le Safran que du nom. Sans autorisation, le Safran, Chimène n'a pas le droit d'aller chez le papa. De la même manière aussi chez le petit maman. Aujourd'hui, le Safran est devenu ton père, ta maman, tout pour toi. La femme, c'est Dieu. Depuis que je suis arrivé chez toi, j'ai compris que tu es un homme très important. Et je t'aime. Moi, je t'aime en tant que beau. Je suis beau, la famille. Toi, je suis beau. Et nous tous, nous sommes venus de Congo. Et nous voulons savoir comment nous allons tenir nos femmes. Je félicite votre mariage. Merci. Dieu est à vous. Amen. On applaudit très très fort, papa, Guéry. Merci pour ce bon message. DJ Yves, on va doser. DJ Yves, on va doser. Maman, Léota, je sais que tu lui as déjà parlé à l'oreille depuis hier soir. Mais tu vas lui dire encore. Oui,
Hello, pardon. Micro. Je livre le micro à Phil. S'il vous plaît, on écoute maman. Je peux dire, je ne vais pas trop parler. Je connais bien. Je ne l'appelle pas Moustapha parce que c'est mon fils. Je l'appelle beau fils. Chimène, je la connais. C'est ma propre fille. Les deux, il n'y a pas un jour que je... Ce n'est pas qu'ils sont en train de se tenir. Chaque jour, je les parle. Ce que je demande maintenant, que le Seigneur tout-puissant qui a organisé, ça fait déjà depuis des années. Et c'est lui. Et c'est lui qui a permis que aujourd'hui, hier et aujourd'hui, que nous soyons ici. Tout ce que je vous demande, c'est la paix du cœur. Amen. Rien que la paix du cœur. Amen. Amen. Merci, maman. Docteur Sam, je vais rapidement inviter Docteur Sam avec nous, juste à côté. S'il vous plaît. Docteur Sam. S'il vous plaît. Je n'ai pas grand chose à dire. Je tiens sincèrement à féliciter les mariés. Je vous souhaite beaucoup de chance. Beaucoup de chance, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix. Surtout la paix dans le foyer. Mais tout ce que j'ai à vous dire, je vous dirai un petit mot. Le mariage, c'est une école. C'est une école où on n'a jamais fini d'apprendre. C'est une école où on apprend à accepter l'autre tel qu'il est. C'est une école où on apprend à accepter l'autre et avec ses qualités et avec ses défauts. Parce que les défauts viennent compléter les qualités de la personne. Parce que si on veut seulement choisir les qualités, on ne fera rien. Il faut accepter aussi les qualités de la personne. C'est très important. Moustapha, c'est un petit frère. Un vrai petit frère, parce que son papa et mon papa, ils ont travaillé dans la même boîte. À l'OTP, ancien OTP. Je l'ai connu, un enfant vraiment studieux, très bien, très poli, très intelligent, très responsable. Chimène, je l'ai connu, très responsable, très studieux, vraiment très ouverte. Je crois que ces deux âmes qui se sont, deux belles âmes qui se sont croisées. C'est très important. Et je vais dire une petite chose. Chimène, dans le couple, tu auras toujours raison. Toujours raison. Moustapha, dans le couple, tu auras toujours raison. Chimène, tu auras toujours tort. Moustapha, tu auras toujours tort. C'est profond, hein? C'est profond. Moi, je suis votre aîné, je suis marié, ça fait. Bon, je ne peux pas, je suis un petit marié. 5 ans? Déjà? Donc, ce n'est pas facile. Il y aura des moments où tu viendras, ça dit que Chimène va te. Les Anglais disent va te piss off. Ça dit que tu ne voudras même pas parler à Chimène. Mais merde, ça c'est quoi ça? En fait, tu es obligé d'accepter. Tu es obligé de vivre avec. Et les petites querelles conjugales, ça n'en manque pas. Un jour, j'ai demandé à mon papa, je parlais de mon père. Il dit, mais papa, le mariage c'est comme ça. Il a dit, fiston, c'est un mal nécessaire. Tu es obligé de vivre avec. Et je vis toujours avec. C'est les femmes, elles sont comme ça. Des fois, tu les vois, elles sont à midi, des fois, tu les trouves à 6 heures du matin. Donc, il faut t'attendre à tout. Vivre en concubinage, c'est différent de vivre en mariage. C'est très difficile. Et très, ça dit qu'il faut garder beaucoup de patience. Les femmes,
Ne croyez pas qu'elles sont bêtes. Elles sont les plus rusées. Très rusées. Pour savoir les comptes. Docteur. J'ai tort ou j'ai raison? Raison. Merci, docteur. Mais attention, nous les hommes aussi, nous sommes rusés, n'est-ce pas? Mais quand même, on va composer avec. Donc, je crois que et tout ce que j'ai à dire, ça dit quand il y a un problème de couple, il faut essayer de laisser tomber notre ego. L'ego masculin, l'ego féminin. Oh, chérie, j'ai tort, je m'excuse. Chérie, j'ai tort, je m'excuse. Merci, docteur. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bon docteur. Chance. C'était le message, le conseil de Dr Omarié. Je sais que Maman Chimène veut qu'on mette le show tout à l'heure, mais juste avant, en Dieu nous croyons tous, nous allons permettre à Maman Léocadie, qui a béni la soirée d'hier, de refermer cette série de conseils avec des paroles pieuses. En une minute, Maman Léocadie, merci beaucoup. Il fait pas chaud, donc c'est pas pour s'essuyer le visage. Faut les ouvrir. Alors, s'il y a une chaise derrière vous, faut vous en débarrasser. Si vous avez quelque chose dans la main, il faut vous en débarrasser. Vous allez vous lever. Au bonheur de Mustapha et de Chimène, on veut voir tout le monde faire une ronde sous la tente. Sortez de la tente. On va danser africaine. Avec la musique du meilleur DJ africain des États-Unis, DJ Yves Togolais, Music! Et juste après, c'est la fête jusqu'à être fatigué. C'est la nourriture à manger jusqu'à être fatigué. Tout le monde est dansé. On fait la ronde avec les mariés. On va faire les choses. Allez, aïe aïe aïe! Ce soir c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, on est dans le feu! On est dans la lave! On est dans ton corps, c'est la lave! Ah! Ça fait temps, 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 ça fait temps! On fait la ronde, tout le monde dans la ronde.
mouchoir, le mouchoir, enlève le mouchoir. C'est parti, ambiance à l'africaine. Allez, lancez. Tout le monde, il va danser. Allez, à gauche. Et à gauche.